Bonjour, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, j'apprécie vraiment. Vous n'hésitez pas, il y a un like absolument, j'adore. Eh bien, aujourd'hui, on va avoir un thème. Vais-je avoir la prospérité l'année prochaine? Eh bien, on va se projeter pour l'année prochaine. On va voir cette guidance des cartes pour vous. Eh bien, pensez un petit peu à votre avis. Posez vos questions. Peut-être qu'on va avoir des réponses maintenant. Eh bien, est-ce que je vais avoir la prospérité pour l'année prochaine? Eh bien, je vois tout de suite que vous avez la carte des projets, des perspectives, d'évolution. Et vous savez, je dois vous dire que ça avance, vous avez le résultat et vous ne voulez pas vous arrêter à cela. Donc, il y a d'autres choses que vous voulez réaliser dans votre vie. Donc, on voit tout de suite cette évolution, donc ces perspectives que vous avez. C'est aussi un petit peu la carte de motivation, donc énergie, envie. Donc, voilà, quand vous pouvez prendre un petit peu le risque, c'est aussi la carte de voyage. C'est possible que vous allez faire des voyages d'affaires. Et donc, bien voilà. Et vous savez, j'ai aussi un indice que vous pouvez avoir quelque chose soudain qui va se passer dans votre vie. Eh bien, je vois quand même les bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, et vous allez fêter cela. Vous savez déjà quand vous avez le résultat et vous êtes absolument content de cela, de votre réussite, de quelque chose que vous avez réalisé, que vous voulez partager cela avec tout le monde autour de vous. Eh bien, vous fêtez quelque chose. Eh bien, je vois également la carte de bonheur. Donc, quand vous êtes satisfait de votre vie, quand vous réalisez vos désirs, vos rêves, donc on voit ici plusieurs coupes, c'est-à-dire que plusieurs choses que vous pouvez réaliser, vous vous faites plaisir. Donc, absolument, c'est un petit peu la carte d'euphorie. Et vous savez, particulièrement sur cette carte, on voit ici ce coffre qui est rempli de l'argent, des finances, c'est-à-dire que votre situation financière, il se développe et grâce à cela, vous pouvez réaliser plein de choses, quelque chose qui est important, vos désirs, vos souhaits, vous prenez le plaisir. Eh bien, ici, j'ai l'énergie de monsieur, mais vous êtes quelqu'un actif, motivé, vous êtes passionné en général dans votre vie, vous aimez prendre le risque, la concurrence, ça ne vous fait pas peur, donc vous ne vous arrêtez pas aux premières difficultés, vous voulez vraiment réaliser vos objectifs, vos plans, projets. Donc voilà, vous aimez quand la vie évolue. Donc là, ici, j'ai un accent. Peut-être que vous pouvez avoir une évolution dans votre travail, gérer une équipe ou même peut-être une entreprise pour certaines personnes. Quand vous pouvez montrer votre personnalité, vraiment votre caractère, les gens, ils vont vous suivre parce que vous avez vraiment cette énergie qui déborde. Vous avez cet enthousiasme dans le travail et peut-être grâce à votre personnalité, vous pouvez avoir ce résultat. Vous devez le savoir, et bien. Mais vous savez, je dois vous dire que peut-être en ce moment, beaucoup de gens, vous ne voyez pas votre futur. Et peut-être beaucoup de personnes ont eu même des pertes dans votre travail, peut-être des finances. C'est possible, mon gardien, j'ai une très belle carte. Un homme qui a réussi sa vie. Donc, si vous pouvez voir, ici, on voit quand même cet homme qui tient de l'argent dans ses mains. Et donc là, c'est un indice pour vous. Si vous prenez le risque dans votre vie, dans votre travail, pour peut-être apporter des changements d'une situation quand vous étiez peut-être en perte et quand vous ne voyez pas ces perspectives ou le futur, vous arrivez vers un homme qui a la réussite totale. C'est quelqu'un qui vraiment aime travailler, donc peut-être dur, mais qu'il souhaite avoir le résultat, il réalise ses objectifs, il souhaite avoir la récompense. Donc, dans le travail, par rapport à tous les efforts qu'il a fait. Et donc, voilà, comme ça, on voit ici que vous avez votre base financière et ça se développe. Donc, le côté matériel, quand vraiment les finances arrivent. Et après, ça va jouer sur votre vie en général, quand vous pouvez vous permettre beaucoup de choses, quand vous profitez de la vie et vous avez cette situation de confort, stabilité. Et cela va jouer également sur votre famille. Il y a
alors je vois la carte transformation totale. Donc préparez-vous parce que si nous avons vu un indice, peut-être aussi vous avez eu des difficultés, eh bien la transformation totale vous attend quand votre vie évolue, mais vers le positif. Oui, c'est possible que parfois ça peut se passer par des moments difficiles, quand il faut laisser quelque chose dans le passé, il faut prendre le risque pour avancer. Mais je vois quand même que globalement, vous avez une évolution. Et alors, j'adore parce que, regardez, donc on voit ici, donc cet homme, en plus, je dois vous dire que ça va vous donner donc du plaisir énormément quand vous serez en plus inspiré. Pas tout simplement, vous allez avoir l'énergie et donc le côté financier, mais ça va vous donner énormément de plaisir. Et vous savez, c'est aussi un petit accent que peut-être le travail que vous réalisez, des perspectives qui arrivent dans votre vie, ça va forcément jouer sur votre vie amoureuse. Donc préparez-vous, et bien, quand vous allez peut-être vous montrer en même temps quelqu'un romantique, sensible, quand vous pouvez vous permettre de faire des surprises, des cadeaux à votre compagne. Donc voilà, et dans la vie de madame, peut-être cet homme, il va jouer un rôle important. Donc qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et alors j'adore la carte le soleil. Vous savez, c'est la carte de succès, donc réussite, résultat. Quand on voit vraiment le succès dans votre travail, mais en même temps, on voit des sentiments ici. Quand vous avez la satisfaction et le bonheur, vous profitez de la vie. Donc, on voit ici cette personne qui est absolument contente. Un petit peu le sentiment d'euphorie. Quand vous vous faites plaisir, c'est un petit peu aussi la carte de famille, vacances. Justement, on voit ici que peut-être votre réussite, la réalisation dans le travail, ça va vous permettre de profiter votre vie et même donc un petit peu développer votre vie amoureuse. Et en plus, rapidement, donc vos idées, vos projets, vous allez les réaliser rapidement. Donc voilà, et alors vous commencez une nouvelle vie. Et bien, donc très très important, vous savez, peut-être vraiment cette transformation qu'on voit ici, ça va vous permettre de faire beaucoup de changements dans votre vie en général, quand vraiment, là ici, on voit que vous prenez le risque pour changer votre vie. Donc voilà, il y aura peut-être de nouvelles rencontres, mais vraiment quelque chose que vous osez à faire prochainement. Donc l'année prochaine, eh bien, vous savez, ça peut indiquer également le déménagement pour certaines personnes. Dans ce cas, ça sera vraiment dans un endroit que vous ne connaissez pas. C'est possible que dans une autre région ou même dans un autre pays, et comme ça, vous changez complètement votre vie, eh bien. Et vous savez, j'ai aussi donc un indice que après votre vie évolue petit à petit, doucement. Vous avez cette évolution, toujours un accent sur des finances. Vous savez, par exemple, si vous avez des placements financiers, investissements, ça va vous apporter régulièrement le résultat. Vous devez le savoir, eh bien, très intéressant. Et vous savez, donc là, ici, je vois, donc madame, quand vraiment vous allez analyser votre vie, vous allez vous projeter dans le futur, vous les perspectives, les plans, les projets. Donc voilà, et je pense, vous voudriez réaliser vos projets dans le futur. Vous allez faire attention à tous les détails. Donc si par exemple, on voit ici la vie professionnelle de madame, quand vous pouvez vous montrer quelqu'un compétent, donc voilà, et vous allez faire attention à tous les détails, perfectionnement dans votre travail. Donc voilà, et toujours ces finances qui arrivent régulièrement. Et alors, j'adore la carte des amoureux. Eh bien, je vois quand même que ici on voit la personnalité de monsieur qui se réalise mais parfaitement bien. Je pense que madame aussi, vous allez montrer votre côté professionnel et on voit toujours cet accent sur votre vie amoureuse. Forcément, c'est important. Et donc, je pense que la guidance pour vous, que votre vie amoureuse évolue également et même c'est possible que vous preniez la décision de faire une union. Donc, la carte des amoureux, c'est une union entre un homme, une femme, vraiment qui est basé sur les bons sentiments, amour profond. Donc voilà, et bien, ça change votre vie. Qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et vous devez suivre votre intuition.
Donc ici, j'ai cette carte. Quand vous pouvez avoir des pressentiments, des indices que la vie vous donne, vous savez, c'est aussi donc un petit peut-être un guide que vous pouvez avoir dans votre vie, quelqu'un qui a une grande sagesse, les connaissances que vous n'avez pas, quelqu'un qui peut vous conseiller, orienter. Donc voilà. Et vous savez, c'est aussi un indice que vous pouvez vous intéresser à l'ésotérisme et par ce moyen, vous trouvez des réponses importantes pour votre futur. Mais suivez absolument votre intuition. Cela va vous guider. Et qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et alors, j'adore parce que c'est un accent sur des sentiments. Vous savez, ça va vous donner donc vos réalisations, perspectives, projets. Ça va vous donner énormément de plaisir quand vous serez absolument inspiré. Donc, vous serez satisfait de votre vie. Et alors, vous savez, si on regarde la vie amoureuse, mais un nouveau départ, bien sûr. Donc, soit vous faites cette rencontre importante et assez rapidement, vous projetez dans le futur. Vraiment, il y a ces changements qui arrivent. Vous commencez une nouvelle vie. Et donc voilà, c'est l'amour, c'est l'euphorie. Ça peut être la déclaration d'amour, la demande d'un mariage également. Donc voilà, et bien, très très intéressant. Qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et vous savez, j'ai aussi donc un accent que votre vie évolue assez rapidement. Quand vous avez de l'énergie, surtout madame, vous serez très enthousiaste. Et je vois ici cette évolution d'une femme qui peut paraître un petit peu froide d'un premier regard. Je pense qu'avec l'amour qui arrive dans votre vie, votre personnalité change. Vous devenez une femme passionnée. Et vous savez, en même temps, je vois une carte qui me montre que vous allez retrouver votre bien-être, votre zone de confort. Donc avec toute cette réussite qui arrive dans votre vie, la prospérité, le bonheur, donc la situation confortable dans votre vie. Et donc voilà, c'est un petit peu aussi un indice sur quelque chose, vos désirs cachés. Peut-être vous devez suivre cela. Il ne faut pas changer vos souhaits, vos plans, peut-être vos rêves. Donc voilà, et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Vous savez, j'ai aussi donc une carte qui me montre que peut-être en ce moment vous ne voyez pas votre futur. Vous pensez que c'est impossible, mais vous devez savoir quand même qu'un tout petit changement peut vous donner un tel enthousiasme dans votre vie, quand vous allez vous sentir mais motivé, vous allez prendre le risque de changer votre vie. Et cela commence par un tout petit projet ou peut-être cette rencontre que vous faites. Et alors j'adore parce que, regardez, c'est vraiment la carte de prospérité. La carte de famille, c'est la meilleure carte. Donc, dans le tarot qui montre vraiment le résultat que vous avez dans le travail, la récompense professionnelle incroyable. Alors ici, on voit un très haut niveau des finances que vous pouvez avoir. Donc l'achat immobilier, bien sûr, la création de business familial, c'est possible. Et en général, la famille, le bonheur, et vraiment quand vous vous sentez confortable, et vraiment vous pouvez profiter de la vie. Donc voilà, et c'est-à-dire que la guidance pour vous, ne soyez pas renfermé, vous devez penser au positif, et la vie vous donne ce résultat, la prospérité et le bonheur dans le futur. Et qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et regardez, voyez, vous trouvez la satisfaction totale, quelque chose que vous n'avez pas en ce moment. Donc, nous avons vu que certaines personnes, vous pouvez avoir des difficultés financières, peut-être même une crise, c'est possible. Quand vous ne voyez pas votre futur, vous posez des questions, qu'est-ce qui m'attend? Mais la guidance des cartes, que vous commencez une nouvelle vie. Et avec cela, vous retrouvez la satisfaction totale. Pour chacun, c'est individuel. Donc, ça peut concerner la réalisation dans le travail, les finances qui arrivent, la vie amoureuse, tout est lié. Vous pouvez vous réaliser dans le travail, la prospérité arrive et en même temps, ça joue forcément sur votre famille, votre amour se renforce, vos liens, vous pouvez réaliser vos projets. Donc voilà, et bien, très intéressant. Et en plus, j'ai la carte de rapidité. Vous devez savoir que cela peut se passer plus vite que vous le pensez. Donc voilà, quand vraiment, et nous avons vu ici tout de suite au début cette carte de quelque chose soudain qui va se passer dans votre vie. Donc préparez-vous à avoir des surprises prochainement, c'est tout à fait possible.
Et alors, j'adore parce que c'est une autre carte de prospérité. Vous savez, quand vous prenez vraiment dans la vie ce que vous souhaitez, on voit ici sur cette carte un petit peu déjà la récolte que vous avez, et c'est un très bon niveau aussi, un très beau résultat que vous avez dans votre travail, et c'est les finances qui vont vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez. Et vous savez, quand on regarde cette carte dans le tarot classique, ça montre une femme qui a vraiment ce plaisir dans la vie, quand elle peut se permettre beaucoup de choses, donc voilà, se faire plaisir, parce que c'est monsieur qui lui apporte cela. Donc ici, j'ai un accent sur la réussite de monsieur, la relation amoureuse que vous avez, qui vous apporte aussi cette prospérité. Donc vraiment, attention à tous les changements qui vont se passer dans votre vie prochainement. Donc moi, je vois quand même que votre vie change. Eh bien, on va voir encore quelques cartes. Quel sera le résultat? Qu'est-ce que nous devons savoir? Mais regardez, madame, ça c'est votre personnalité. Vous êtes absolument contente de votre vie. Vous tenez dans les mains quelque chose. Donc, si vous avez posé la question pendant ce tirage, je pense que la réponse est oui, parce que nous avons vu vraiment de très belles cartes, donc de réussite, transformation, prospérité. Donc, nous avons vu la carte As qui montre vraiment le plaisir total que vous avez. Donc, la carte du soleil, vraiment la meilleure carte dans le tarot, eh bien, vous êtes enthousiaste, donc plein d'énergie, motivation, une femme passionnée. Et alors, regardez, vraiment, c'est la carte de tradition. Et si vous avez un petit peu les questions philosophiques par rapport à votre vie, vous retrouvez les réponses, vous savez, peut-être même avec cette réussite. Les résultats qui arrivent dans votre vie et peut-être même la relation amoureuse, ça va vous monter à un autre niveau. Ça peut être aussi un petit peu le développement spirituel que vous avez, le bien-être que vous trouvez. Donc, ça va développer votre personnalité, votre confort, vos sentiments à l'intérieur de vous. Donc, voilà. Et vous savez aussi un indice sur peut-être la relation amoureuse traditionnelle, toujours un accent que peut-être vous pouvez créer la famille. Donc, prochainement, et voilà. Et vous savez, justement, vous ne devez pas être trop renfermé, vous devez être ouvert vers les perspectives qui arrivent dans votre vie prochainement. Et alors, regardez, j'adore, c'est la carte de mariage. Vraiment, pour la question, qu'est-ce qui vous attend dans le futur? Nous avons vu cette carte de tradition et le mariage, un événement très important, un engagement que vous pouvez avoir qui change complètement votre vie. Donc, vous devez le savoir. Eh bien, je vois quand même, et vous savez, c'est aussi la carte de stabilité en général, qui peut montrer que vous avez cette prospérité, la réussite dans votre vie, et ça vous donne cette stabilité, la situation confortable, toujours un accent sur l'achat immobilier, donc c'est tout à fait possible, donc voilà. Et vous savez aussi, cette carte que nous avons vue avant, ça peut montrer également les perspectives à l'étranger, donc ça peut être actuel pour certaines personnes, quand peut-être ça va vous donner donc les résultats, donc des perspectives, l'évolution dans votre vie, vous devez le savoir. Eh bien, nous avons vu cette guidance des cartes. Donc, est-ce que je veux avoir la prospérité donc l'année prochaine? Eh bien, je pense que les perspectives sont grandioses. On va voir la carte de conseil, comment vous devez vous comporter. Et alors, j'adore parce que ici, j'ai un indice sur monsieur et particulièrement sur vos sentiments, donc la relation amoureuse. Et vous savez, c'est aussi quelqu'un qui est diplomate. Et pour le conseil, comment vous devez vous comporter avec une grande diplomatie pour éventuellement réaliser vos projets, avoir quelque chose que vous souhaitez. Donc voilà. Et vous savez, c'est aussi dans la vie de madame, ça montre cet homme qui va avoir des sentiments par rapport à vous, qui peut vous apporter l'amour, des bonnes émotions. Donc, faites attention à cette rencontre. Et vous savez aussi, une très belle carte, si vous avez des idées géniales, et ça peut vous paraître que c'est un petit peu irréel, donc c'est des idées absolument folles, vous devez vous lancer parce que s'il y a des difficultés et vous n'êtes pas sûr de vous, vous allez trouver des moyens pour traverser n'importe quel problème, n'importe quelle situation, et vous arrivez vers le résultat. Donc, vous devez le savoir. Absolument, il faut se lancer. Vous savez, même s'il y a la concurrence, ça peut vous montrer quelqu'un compétitif, professionnel. C'est la chance pour vous de vous montrer. Et alors, j'adore parce que c'est la carte du destin. Vous devez le savoir que tous les changements qui vont se passer, donc, dans votre vie prochainement, au début de l'année, des perspectives qui arrivent, et même
après, ça va vous réveiller. Vous n'allez pas regarder votre vie de la même façon. C'est un petit peu donc le destin qui va se jouer pour vous. Quand il y a cette révélation de votre vie et avec des perspectives, mais votre vie change globalement. Nous avons vu, vous commencez une nouvelle vie. Donc, avec cette prospérité qui arrive dans votre vie, eh bien, ça vous transforme. Donc, voilà, ça comme un réveil pour vous. Eh bien, vous allez revivre certains sentiments, donc des émotions dans votre vie qui peuvent vous bouleverser. Donc, préparez-vous, mais vers le positif. Soyez orienté toujours vers le positif. Eh bien, je vois quand même que la vie vous donne une transformation incroyable et peut-être même c'est votre destin. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de perspectives dans votre vie, le succès, le résultat, la réussite, la prospérité dans votre famille, bonheur, amour et bien sûr, le destin vous appartient.